Salut, c'est Anouk pour Guitare Extrême. On se retrouve en ce mois de mars sur un nouveau tuto autour des accords. C'est un vaste sujet en guitare puisqu'on a la possibilité d'intégrer des cordes à vide au niveau de certains voicings, ce qui va complètement changer les couleurs de certains accords. C'est un peu autour de ça qu'on va discuter aujourd'hui. On pourra évidemment pas parler de tous les accords puisqu'il y en a une infinité. J'ai été obligée de faire quelques choix un peu pratiques pour pouvoir structurer ma pédago de ce mois-ci. Et j'espère bien entendu que ça vous plaira et que vous pourrez en tirer quelque chose que vous pourrez intégrer par la suite à votre jeu. Dans ce premier exemple, nous avons harmonisé une gamme de Ré majeur. Je le rappelle sommairement, l'harmonisation d'une gamme, c'est en fait le fait de générer les accords naturellement présents dans la gamme en les fabriquant, en fait, tonique, tierce, quinte. Et puis après, on peut rajouter des septièmes, des neuvièmes, des onzièmes. Ici, j'ai pris la position d'accord à quatre sons qu'on joue habituellement sur les cordes centrales de la guitare, où on a donc la tonique, la quinte, la septième et la tierce. Donc j'ai respecté en fait mon enchaînement avec premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième degré mineur, etc. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, là tout de suite, c'est pas très grave, ça ne vous empêchera pas de jouer l'exemple en présence. J'ai donc pris ces accords-là et j'ai enlevé le doigt présent sur la corde de sol, qui est normalement la position de la septième dans ces voicings-là. Et on va donc avoir la corde de sol à vide qui va être intégrée dans tous nos voicings d'accords. Donc à l'arrivée, pour le Ré majeur, on va avoir premier doigt case 5 sur la corde de La, troisième doigt case 7 sur la corde de Ré, corde de Sol à vide, et petit doigt case 7 sur la corde de Si. Et ça viendra remplacer nos positions d'accord majeur 7. Donc mon accord de Ré ici devient un Ré 11 à cause de la corde à vide de Sol qui est intégrée au voicing. Deuxième accord, je vais faire pareil à partir de l'accord de Mi mineur qui est mon deuxième degré dans ma gamme de Ré majeur. Et je vais avoir premier doigt case 7, troisième doigt case 9, toujours ma corde de Sol à vide et puis mon deuxième doigt case 8 sur la corde de Si. Donc je le rappelle, on va vraiment évoluer toujours sur le même groupe de quatre cordes. Donc mon Mi ici est un Mi mineur. Je me décale pour l'accord de Fa dièse mineur. Je vais avoir premier doigt sur le Fa dièse case 9, troisième doigt ensuite sur la corde de Ré, corde de Sol à vide, et puis deuxième doigt en case 10 sur la corde de Si. Alors celui-là, s'il devait y avoir un accord litigieux dans les 7, éventuellement ça serait celui-là, puisque la corde de Sol vient générer une 9e bémol par rapport à notre Fa dièse. Personnellement, je trouve que quand on le mêle à l'ensemble, c'est pas non plus extrêmement choquant. Ensuite, je vais arriver sur l'accord de Sol majeur qui va avoir exactement le schéma digital que mon premier degré de Ré. Donc je vais avoir premier doigt case 10, troisième doigt case 12, corde à vide de Sol et petit doigt case 12 également. Ensuite, je décale la même position exactement à partir de la case 12 et j'aurai un La septième. Je continue. Je retrouve une position mineur 7 à partir de la case 14 et je vais donc avoir premier doigt case 14, troisième doigt case 16, corde à vide de Sol et deuxième doigt case 15 sur la corde de Si. Et je vais avoir ici un Si mineur avec le Sol ici qui va agir comme une 13e bémol. Donc c'est un Si mineur bémol 13. Et ensuite j'arrive sur mon 7e accord. Do dièse mineur, quinte bémol, qui va se jouer, lui, à partir de la case 16, où on aura premier doigt, case 16, deuxième doigt,
case 17 sur la corde de Ré, corde à vide de Sol, et puis troisième doigt sur la corde de Si en case 17. Si vous vous trouvez un petit peu à l'étroit dans les petites cases, vous pouvez l'appliquer à partir de la case 4 également, et on retrouverait notre premier accord, le Ré majeur 11, soit en case 5, soit à partir de la case 17. Dans ce deuxième exemple, on va garder à nouveau l'harmonisation de la gamme de Ré majeur, mais on va évoluer avec des voicings un petit peu différents. Dans le premier exemple, on a évolué avec une logique qui nous a accompagnés pour nos 7 accords. Ici, on va prendre un petit peu plus de liberté par rapport aux formes d'accords, aux positions, aux couleurs. Donc, ça va peut-être demander un petit peu plus de travail de mémorisation, mais ça reste des accords qui sont relativement faciles à poser. Le premier accord, je l'aime beaucoup, c'est un Ré à 9. Et en fait, si vous êtes familier avec votre position de Ré majeur triangle accord de scout, on va dire, il va en fait falloir aller chercher la note Mi sur la corde de Si, là où on a le sommet de notre triangle habituellement avec le troisième doigt en case 3, il va falloir qu'on aille chercher à la place la case 5. Et pour ça, on va se mettre en barré. Donc j'ai un petit barré sur trois cordes en case 2 et je viens chercher la case 5 sur la corde de Si. Et je vais bien sûr accompagner cet ensemble par la corde à vide de Ré. Mon deuxième accord va être un Mi mineur qui va contenir une septième mineure et une neuvième également. Donc je vais avoir la corde de Mi grave à vide, je vais sauter la corde de La, et sur la corde de Ré, je vais prendre la case 4, j'aurai ensuite ma corde de Sol à vide, et puis j'aurai la case 3, corde de Si, avec le deuxième doigt. Ensuite, mon troisième accord, toujours en suivant l'harmonisation de la gamme de Ré majeur, je vais avoir le Fa dièse mineur 7, auquel je vais rajouter une onzième avec la corde de Si à vide. Donc là, on a trois doigts à poser. Deuxième doigt en case 2 sur la corde de Mi grave. On va sauter la corde de La. Sur la corde de Ré, on sera également en case 2 avec le troisième doigt. Et puis, petit doigt en case 2 également sur la corde de Sol. Et puis, la corde de Si à vide. Mon accord suivant va être un accord de Sol ad 9. Donc je vais avoir le deuxième doigt sur la note Sol en case 3. Je vais sauter la corde de La, donc je ne vais pas la jouer. Et je vais arriver en fait sur la corde de Ré que je vais prendre à vide. Et je vais poser un autre doigt sur la corde de Sol en case 2. Et ça me donne ce super bel accord de Sol ad 9. Pour l'accord suivant, le La, je vais jouer un accord de La qui va contenir une sixte et une septième mineure. Donc je partirai de ma corde de La à vide. Ensuite, je vais mettre mon troisième doigt en case 4 sur la corde de Ré. J'aurai également ma corde de Sol à vide et je vais mettre premier doigt en case 2 sur la corde de Si. Pour l'accord qui vient ensuite, je vais jouer un voicing de Si mineur avec une 13e bémol. Et je vais partir de la case 2, corde de La avec le premier doigt. J'aurai ensuite la case 4, corde de Ré avec le troisième doigt. Corde de Sol à vide. Et puis, deuxième doigt. Case 3, corde de Si. Ensuite, le voicing d'après, on l'a vu dans le premier exemple, c'est le fameux Do dièse mineur quinte bémol
Donc c'est exactement le même que tout à l'heure. On le rafraîchit une fois pour être bien sûr. Premier doigt, case 4 sur la corde de La. Deuxième ou troisième doigt, case 5 sur la corde de Ré. Corde de Sol à vide. Et sur la corde de Si, je vais devoir jouer la case 5, soit avec le petit doigt, soit avec le troisième doigt. Ça dépendra de la manière dont j'aurai choisi de poser mon accord. Et on finit avec un accord qu'on a vu également dans l'exemple 1, le fameux Ré avec la onzième. Dans ces deux exemples, on a choisi de jouer les accords dans l'ordre, mais bien sûr, vous pouvez prendre la liberté de les mélanger comme il vous plaira. Dans le dernier exemple, j'ai souhaité proposer quelque chose de plus mélodique, de plus construit et donc de moins linéaire où on enchaîne strictement les accords dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. On va donc pas rentrer dans le détail harmonique des choses, mais je vais juste vous montrer comment le jouer. Je vous recommande quand même de faire appel aux partitions dans le magazine. Je pense que pour cet exemple-là, elles peuvent s'avérer très utiles. On va donc démarrer avec un accord de La mineur qui contient une sixte mineure également. Donc on aura la corde à vide. On va placer deuxième doigt, case 7, corde de Ré. Petit doigt, case 9, corde de Sol. Premier doigt, case 6, corde de Si. Et troisième doigt, case 8, corde de Mi. Je vais jouer ma petite mélodie sur la corde de mi aigu à partir de la case 7. J'aurai donc 7, 8, 10, retour sur la case 7. Et mon point d'arrivée, case 8, corde de Si. Je passe ensuite sur un accord de Sol. Et là, je vais faire évoluer la mélodie sur la corde de Sol. Donc j'aurai mon troisième doigt sur la case 3. Corde à vide de Ré et j'atterris en case 4 sur la corde de Sol et je vais faire régresser ma mélodie sans bouger ma position jusqu'à la case 2 et puis je fais régresser la mélodie à nouveau pour prendre la corde à vide de Sol. Ensuite je vais avoir un voicing de Fa ouvert, c'est-à-dire que j'aurai mon premier doigt case 1 sur la corde de Mi, troisième doigt case 3 sur la corde de La, corde de Ré à vide et deuxième doigt case 2 sur la corde de Sol. Et là je vais faire pareil en réalité, je vais faire évoluer ma note aiguë, donc je vais enlever mon deuxième doigt au profit de la corde à vide. Et là, ma dernière note de mélodie sur la corde Fa, ça sera la case 3 sur la corde de Ré. Et là, j'ai un beau voicing de Mi. Un peu stretchy pour les doigts, mais tout à fait faisable. J'aurai la corde à vide de Mi grave. Deuxième doigt, case 2, corde de La. Petit doigt, case 4, corde de Ré et premier doigt, case 1, corde de Sol. Donc ça, globalement, c'est la première partie de mon exemple. Ensuite, je vais avoir un accord barré. C'est le seul qu'il y aura ici. Je serai donc en case 4 sur le Do dièse et je vais partir en position en fait de Do dièse mineur 7. Donc j'ai mon barré sur les cases 4. Sur la corde de Ré, j'aurai mon troisième doigt en case 6 et sur la corde de Si, mon deuxième doigt en case 5. Et là, toujours ce système de faire évoluer la note de la mélodie de l'accord. Au départ, j'aurai
la case 5 sur la corde de si. Et puis j'enlèverai mon deuxième doigt au profit de la note de mon barré en case 4 sur la corde de si. Et là, je vais venir faire un genre de petit pull-off sur la corde de sol entre la case 4 et la case 6. Je me décale et j'aurai cette fois-ci premier doigt case 2 corde de la, troisième doigt case 4 corde de ré, petit doigt case 4 corde de si et j'aurai mon mi aigu et j'ai toujours cette volonté de faire évoluer ma mélodie. Donc au départ ma mélodie va chercher à mettre en relief la corde de mi aigu. Et puis finalement, mon petit doigt qui était sur la corde de si en case 4 va remonter sur la corde de sol, toujours en case 4. Ensuite, j'ai une petite mélodie sur les cordes de si et mi aigu. Je ferai sonner la corde de la à vide pour avoir un support derrière. Et petite phrase, je pars de la case 2 avec le premier doigt sur la corde de si. Hammer entre la case 2 et la case 4 et puis pull off sur la corde de mi aigu de la case 2 à la corde à vide. Deuxième partie de ma mélodie, je me décale en case 4 avec le premier doigt toujours sur la corde de si et je vais faire un hammer entre les cases 4, 5 et 7 avant d'arriver case 4 sur la corde de mi aigu. Je prends ma corde de mi grave et là j'ai un petit passage en double stops où j'aurai mes deux doigts case 9 sur les cordes de ré et sol. Donc là on va rester sur ces deux cordes jusqu'à la fin de ce passage et on va glisser de la case 9 à la case 11. On va amener nos deux doigts en case 6, puis en case 4, puis en case 2 et ici on va résoudre en fait, puisque on va transformer notre accord en mi majeur, puisqu'on va récupérer le sol dièse ici sur la corde de sol en case 1. Ensuite, je vais avoir une petite montée d'accord. Cet accord-là, on l'a vu dans un des exemples précédents. Je vais avoir mes doigts 2, 3 et 4 en case 2 sur les cordes mi, ré et sol. Et je récupère en plus la corde à vide de si. Je décale ce doigté à l'identique sur la case 4. Ensuite, j'ai un joli voicing de la majeur avec des cordes à vide. J'aurai donc ma corde de la. Troisième doigt, case 7, corde de ré. Deuxième doigt, case 6, corde de sol. Et je prendrai également la corde de si à vide. Et pour finir, je vais avoir un accord de Do majeur 7 auquel je vais rajouter la corde de mi aigu à vide. Donc j'aurai deuxième doigt case 8, corde de mi grave, troisième et petit doigt en case 9 sur les cordes de ré et sol, et puis corde de mi aigu à vide. Et puis je récupère la basse et je vais avoir une descente de pentatonique de ma gamme de mi majeur. Donc je descends la gamme de mi majeur pentatonique en partant donc du mi case 12 sur la corde de mi aigu. Et puis là, c'est le doigté tel que vous le connaissez probablement. On aura les cases 12 et 9 sur la corde de mi aigu, 12 et 9 également sur la corde de si, 11 et 9 sur la corde de sol, 11 et 9 sur la corde de ré, 11 et 9 sur la corde de la, et je finis en glissant mon doigt de la case 9 à la case 7 pour récupérer ma note mi. Et si vous le faites en pull-off, ça va donner un côté un peu plus rapide et un peu plus aérien que je trouve très joli dans ce contexte. Merci d'avoir partagé ce cours avec moi. J'espère que ça vous aura apporté peut-être certaines nouvelles perspectives sur les accords. On aura, je pense, l'occasion de retraiter ce sujet-là de manière un petit peu différente, puisque vraiment le monde des accords est
à la fois fascinant et infini. Mais voilà, il fallait faire des choix pour ce tuto, donc c'est l'axe qu'on a choisi de traiter aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir été avec moi dans Guitare Extrême, et je vous dis à très vite.